Bonjour, nous sommes le lundi 12 août 2024 et le sujet sera la SSD externe avec prise Thunderbolt 5 qui est extrêmement rare puisqu'il n'y a aucun produit quasi sur le marché avec Thunderbolt 5 à part un laptop Razer. Et un futur SSD en 128 teraoctets, ce ne sera pas pour le public, ce sera pour les, les data, data centers et qui coûtera plusieurs dizaines de milliers d'euros. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. SSD, un modèle Thunderbolt 5 avec des débits décoiffants et un futur SSD de 128 Teraoctets. Alors le, le boîtier avait le SSD externe, c'est de la marque Sabrent. Et le premier a présenté un SSD externe équipé d'un Thunderbolt 5. La généra dernière génération de la norme générée par... Géré par Intel et encore loin d'être démocratisé. Comme je le dis, il n'y a rien sur le marché qui est équipé d'un Thunderbolt 5 à part le laptop euh, Razer. Et donc, ce sera probablement démocratisé évidemment avec les, les années à venir. Courant certainement 2025-26. Pour l'instant, Thunderbolt 4 c'est largement suffisant. Et le temps que ça mette en production tous les périphériques et le coût. Ça mettra encore du temps à se démocratiser. Et on ne le retrouve d'ailleurs dans aucun Mac ni aucun autre produit Apple à ce stade. Elle devrait néanmoins offrir des performances encore meilleures, en tout cas d'après les promesses d'Intel qui évoquent des débits multipliés par 3 par rapport au Thunderbolt 4. À l'usage, ce gain se vérifie si l'on en croit les chiffres fournis par le fabricant de cette, dans cette vidéo de PetaPixel. Ils ont montré les, les scores et on arrive à 6 gigabits. 6 gigaoctets, parce que ça c'est gigabyte, 6 gigaoctets en, par seconde en lecture et 5 gigaoctets en écriture. Après, il faut voir le, le, le tarif. Les SSD, les, les plus vendus sur le marché en externe, ont des débits de 1 ou 2 gigaoctets par seconde. Donc là, c'est 3 fois plus. C'est bien plus que la majorité des SSD internes, alors qu'on parle bien d'un volume de stockage externe. Après, les SSD internes, il y a une bonne partie qui sont sous PC Express 3 et PC Express 4. Et PC Express 4, ça va jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Après, avec les soldes et les ventes flash, on peut trouver des, des SSD à très bon prix en PC Express 4 qui sont aux alentours de 4-5 gigaoctets. De, par seconde de transfert. Et si on met un peu plus, on peut arriver avec des, des SSD qui arrivent aux alentours de 7,4 en lecture et 6,8 en gigaoctets par seconde en écriture. Pour atteindre de tels niveaux, il faut un ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 5, ce qui est le cas du portable de Razer équipé dans la vidéo, le premier à intégrer ce connecteur. Pour l'instant, c'est le seul. Avec un Mac limité à Thunderbolt 4, les performances restent sous la barre des 3 Go par seconde en écriture comme en lecture. Ce qui est très bien sans être aussi spectaculaire. Après il faut comprendre aussi que c'est un, un périphérique de stockage externe. Donc euh, ça reste quand même performant. Puisque 3 Go par seconde, en 100 secondes, vous transférez euh, environ 300 Go. Il faut aussi un SSD ultra rapide dans le boîtier, ce qui semble être bien le cas du Rocket SSD de Sabrent. Bien entendu, cette vidéo fournie par le fabricant ne dit pas encore tout ce qu'il faut savoir sur l'appareil. On saura, ça sortira dans, dans les semaines, les mois à venir. Elle ne dit rien notamment sur les performances maintenues dans le temps. Oui, parce que ça, c'est les pics. Euh, ça va jusqu'à 6 Go en lecture et 5 Go par seconde en écriture au maximum. Après, il faut voir selon les fichiers et différents tests. Même si le présentateur note que le refroidissement a été optimisé sur cette génération, de quoi sans doute maintenir les débits plus longtemps, il faut aussi tenir compte du cache du SSD. Bref, on verra les tests quand l'appareil sortira, à une date qui reste encore à déterminer. Probablement, comme ça a été présenté récemment, on sera vers la fin de l'année. Il y a de très grandes chances de se contente d'indiquer que la version finale du produit est proche. En général, quand ils disent que c'est proche, c'est dans les 6 mois. Si les CSD ont toujours fait mieux que les disques durs traditionnels sur les performances, ça c'est au niveau des accès, le temps d'accès, le, les quantités de transfert, les débits. On ne peut pas dire autant sur leur capacité de stockage. Pour l'instant, c'est encore les HDD qui sont les meilleurs rapports euh, capacité-prix. Puisque maintenant dans le commerce on a des, des disques durs de 20-22 Teraoctets. Et dans un futur assez proche, dans les 30-32. Après ça va être aussi euh, onéreux. Cela devrait toutefois bientôt changer avec des SSD qui intègrent des capacités de stockage énormes en approche. Et bien sûr, euh, qui dit stockage SSD énorme dit prix énorme également. Après Samsung qui a annoncé jusqu'à 32 Teraoctets dans un format 2,5 pouces, c'est comme les petits disques durs de, de PC portable, alors que les 3,5 pouces c'est pour les desktops, les tours. C'est au tour de Western Digital de dégainer un SSD de 128 Teraoctets, 4 fois plus. Comme le rappelle Anand Tech, il s'agit d'un concept présenté dans un salon. À ce stade, c'était le salon de. Flash Memory Summit FMS qui a eu lieu la semaine dernière. Et ce volume de stockage destiné au serveur sera vendu à un prix indécent pour un usage particulier. Bon bien évidemment. Après c'est destiné à des data centers. Pour atteindre de telles capacités, Western Digital utilise de la mémoire QLC. C'est 4 bits par, euh, par cellule. Empilés sur trois dimensions pour densifier le nombre de puces. Ce type de mémoire était rarement proposé dans les produits professionnels jusque-là, mais les besoins de l'industrie, notamment dans le monde de l'intelligence artificielle, qui ont besoin de beaucoup de, beaucoup de capacités de stockage et des rapidités d'accès éclair, poussent les fabricants à offrir des SSD toujours plus gros en termes de capacité. On ne retrouvera pas de sitôt dans nos macs contrairement au Thunderbolt 5 qui devrait finir par arriver dans la gamme. Bon, évidemment, euh, les Macs ils vont pas fournir des SSD de cette capacité là, puisque pour la plupart des, des laptops, après ces Mac c'est bien moindre, mais dans les laptops on retrouve du 512 gigaoctets, 1 teraoctet, 2 teraoctets, et après on peut selon les modèles rajouter un SSD. Selon les emplacements, il y en a un ou deux. Et donc on peut mettre on peut avoir 4 ou 8 terroctets. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.